Tu as ton billet ? T'as quoi, 10 euros ? Allez. Tu m'as demandé 10, hein ? Bah, si t'avais 10, oui. Parce que comme je vais le déchirer, si tu as 20, ça fait... Ça s'ennuie. On peut ? Bah, lance-toi, hein. Alors, ça, c'est pour une preuve. Donc, quand on déchire un billet comme ça... Bon, vas-y, déchire, pour pas qu'on puisse dire que je dis... Oui. Entièrement ? Ouais. Ouais, comme ça, tiens. Voilà. Voilà. Attention. T'as mal déchiré. Non, mais bon. Ton mec. Ça marche. Mais tiens, garde un mot. Garde celui-là. Ouais. Faire, je sais même pas comment je vais faire ça. Tu choisis un fruit. Lequel ? Je dis un fruit. Là, il y a un citron, une vieille tomate pourrie, des babybelles. Qu'est-ce que tu choisis ? Le citron. Le citron. Eh ben, le billet va disparaître et réapparaître dans le citron. Tu prends le citron en main. D'accord ? C'est bon ? C'est bon. Alors, on y va. Approche-toi. Tac. Donc maintenant, s'il a apparu dans le citron, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien ? Si c'est bien, ouais. Ah. Si il pouvait être entier, ce serait encore mieux. C'est bien, tu peux amener un couteau ? Oui, je vais chercher un couteau. Voilà, amène un couteau. Non. Bah, vérifie déjà s'il n'y a pas un trou. Ah oui. Non, franchement, parce que... faut quand même comprendre un truc, c'est que nous les magiciens on fait des choses bizarres. Mais là, imaginez, le billet vient de disparaître. Donc s'il se retrouve dans le citron, c'est quand même, c'est pas le petit tour de magie banal. Là. C'est quand même peut-être des fois un miracle ou je ne sais pas. C'est comme si maintenant je me mettais à voler. Ça s'appelle pas la Bible. Mais bleu et ok. Alors on attend le couteau. Comment c'est pas vrai ? Mais bleu et ok. Non mais c'est ouf. Le couteau est arrivé. Allez, mets-le là. Moi, vous regardez que je touche rien. Vas-y, c'est toi qui coupe. Tiens, ah voilà. Bon geste. Comme ça ? Ouais. Retrouve mon billet en entier, s'il te plaît. Oh non. Ah, t'as coupé le billet, bravo. Ah, j'ai pas dit qu'il était resté. J'ai dit qu'il est passé par le citron. C'est différent. Ah, mais peut-être la tomate pourrie. Non, parce qu'il a disparu, il est passé par le citron, mais il n'est pas resté. Ah, bah, c'est un site, quand même. C'est un site. Ah oui. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça ? Babybel. Est-ce que si on ouvre Babybel et qu'on peut le refermer d'après vous le... Ah non. Examine s'il a été cassé ou ouvert quelque part. Non, le filet non. Intact. Intact. Donc vas-y, ouvre pour voir. Voilà, maintenant referme. Non, c'est pour dire que c'est impossible. C'est impossible. Tiens, vas-y, pose-le là. Donc t'as vu, tu as des. Tu vas en prendre un. Vas-y, prends-en un. Ok, vas-y, toi aussi. Garde-le bien en main. Donc, depuis tout à l'heure, je te fais le tour à toi. Vas-y, maintenant, tu prends... Bah, je vais le faire pas comme vous. Toi non. Tu prends le babybel et tu l'ouvres comme ça. Bah, juste un petit peu. Maintenant, tu le refermes. Impossible, hein ? Ça se verrait. Ouais. C'est-à-dire que si on l'ouvre délicatement, en cachette à la maison et qu'on le referme, bah, c'est impossible, c'est fait d'usine. Donc, on va continuer. Expérience, vas-y. Maintenant, il doit avoir. Voilà, ça. Si tu l'ouvres comme ça, et que tu le refermes, c'est impossible. Ça se verrait. Ouais. Mmh. Ok ouais. Eh oui. Ouais. Ouais. Maintenant, tu l'ouvres comme ça. Tu l'ouvres. Le manger après. Et si tu ouvres ça pour mettre un billet et que tu refermes, ça se verrait, regarde. C'est impossible. Tu peux le manger. Donc le c'est tien. Un vrai baby. Le tien, fais voir. On va l'ouvrir. Délicatement. C'est dur. Est-ce que d'après vous, il a déjà été ouvert par quelqu'un ? Non. Ça veut dire que le billet, il a même pas ouvert pour rentrer, c'est ça ? Non. Il est rentré comme ça ? C'est bon ? Oui. On ouvre ? Ah oui, il est dedans.
Est-ce qu'il a... C'est bon ? Oui, c'est bon. J'essaye d'aller doucement, qu'on ne dise pas que j'ai triché quelque part, un jour ou l'autre. Ouais. Est-ce qu'il a l'air normal ? Oui. Pas de trou, rien ? Non, c'est bon. On ouvre. Ici, un billet. C'est bon. Comment ? C'est pas vrai. Ici, là, regarde bien dedans. Non, c'est ton billet. S'il est déchiré. Alors maintenant, il faudrait que le billet... Bon, après, on se demande comment il est rentré, mais il faudrait que ce billet corresponde avec le machin qu'à la main. Non, c'est pas possible. Ah, il vous a promis un truc excellent ce soir. Il m'a dit, il y a des princesses ce soir, il faut quelque chose... C'est un truc de dingue. Ne le dites pas à personne. Ne dites à rien à personne, là, parce que là... Ramène. Faut voir. Faut mesurer maintenant. On voit que parce qu'un billet, comme tu l'as déchiré, il n'y en a qu'un au monde. Hein. Ah oui, c'est T'es d'accord Oui. Ça vaut les... C'est bon. Hallucinant. Ah, ça m'énerve. Bon, je mérite des applaudissements, là. Ah, mais ça m'énerve. C'est un truc de malade. Magique, ça mérite une standing ovation. Hein. Allez, pour le magicien, hola. Hola. Et tu peux le sentir, il sent pas le babybel. Voilà. Tu as régalé.